Bonjour, comment ça va? C'est Jules Gann et aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde. Enfin, on a Tears of the Kingdom juste ici, voilà, il est juste ici, hein. Vraiment, il est là, il est là. Je ne sais pas quoi y faire. On va le lancer pour la première fois. J'ai hâte de malade. Ça fait 6 ans et demi qu'on attend ce putain de jeu, alors que c'est le même moteur graphique que Breath of the Wild. Voilà, ça va être une sacrée aventure. On va faire une vidéo. La vidéo que vous regardez, c'est une vidéo entière enfin, ça va être une vidéo condensée entière sur ma découverte de Tears of the Kingdom. Si vous regardez sur la chaîne Jules Gann Replay, là, c'est seulement le premier épisode de la découverte de Tears of the Kingdom. Ça va être insane. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai choisi de faire la découverte, voilà, seul de mon côté pour être à 100% immergé dans le jeu. Ça va être incroyable. Je sais même pas à quoi m'attendre. En fait, il faut savoir que je me suis préservé de malade. J'ai pas regardé le dernier trailer, j'ai pas regardé les 10 minutes de gameplay qui avaient été présentées. J'ai été spoil de quasiment rien, sauf les deux premiers trailers. Je crois qu'il y avait un premier trailer de 30 secondes, un peu teaser, et un autre trailer de 1 minute 30. Que j'avais regardé, qui montrait deux, trois choses, mais en vrai pas tant que ça. À part ça, je sais rien. J'ai trop hâte de voir ce que le jeu va avoir comme point commun avec Breath of the Wild, mais aussi les différences. J'ai trop hâte de voir ce que le jeu nous réserve. J'ai trop hâte de savoir combien il y a de Korogu. J'ai trop hâte de savoir à quoi ressemblent les temples. Est-ce qu'il va y avoir genre des items de donjon comme dans les anciens Zelda? Parce qu'en vrai, le seul point noir personnellement que je trouve à Breath of the Wild, bah c'est les créatures divines. Et voilà. On va découvrir ça. Là, c'est juste vous et moi. Il n'y a pas de chat. Ça va être incroyable. J'ai un petit timer, évidemment, que je mets, parce que c'est ma marque de fabrique, évidemment, vous le savez. Mais oui, pour ceux qui regardent, évidemment, sur la chaîne replay, il y aura une vidéo par jour, une session par jour, une grosse session, je pense, de 5 heures. À partir de la sortie, il y aura une vidéo par jour sur la chaîne Jules Gann Replay. Donc voilà, si vous regardez ici, n'hésitez pas. Normalement, il y a toute la découverte. On ira faire le 100%, je le dis d'office. On fera le 100%, on fera les défis, après on fera le speedrun. Mais d'abord, je suis clair et précis là-dessus. Je veux précisément d'abord découvrir le jeu, prendre mon temps pour découvrir le jeu, le faire à 100%, le profiter, savourer du jeu, tu vois, tant qu'il est là. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, moi, Breath of the Wild, je l'avais terminé pour la première fois où j'étais arrivé à la fin du jeu. J'avais 850 Korogu. J'avais fait toutes les quêtes et j'avais fait les 120 sanctuaires aussi. Donc moi, j'aime prendre mon temps de zinzin. Donc, surtout quand je découvre. Donc voilà. Écoutez, je sais pas à quoi m'attendre. Quand il y aura des cinématiques, je pourrai enlever ma cam comme ça, évidemment. Et puis voilà. Bonne vidéo. Si vous regardez, comment on appelle ça? Si vous regardez, voilà, la vidéo. Enfin, si vous regardez ma découverte sans cut sur la chaîne replay, ou bonne vidéo si vous regardez la vidéo en entier sur bah la vidéo résumée. Parce que je pense que je vais en faire qu'une seule sur toute ma découverte. Et puis, oh putain, oh mec! Je vous jure, je suis un petit fou. Je suis un petit fou. Là, en plus, j'ai commandé. Bon, je l'ai pas encore reçu. On la verra normalement dans les épisodes d'après, si vous regardez évidemment sur la chaîne VOD. Mais j'ai commandé. J'ai commandé. Comment on appelle ça? J'ai commandé la Switch édition Zelda, édition collector Zelda, qui est super belle là, aux couleurs de TOTK, avec les Joy-Con aux couleurs de TOTK et tout. Et normalement aussi, dans les jours à venir, je recevrai enfin, je vais la recevoir et ça va être insane. Je vais la recevoir et ça va être magnifique, quoi. Vraiment, hein, ça va être trop trop beau, hein. Mais vraiment, ouais, super hâte de commencer à faire les défis, etc. Et puis voilà quoi. Et on lance le jeu. Oh putain, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis tellement hype. Allez, 3, 2, 1. Ah oui, attendez. Attendez, non, excusez-moi, attendez. Le jeu n'est pas encore sur mon écran. Je l'ai sur mon retour, mais je l'ai pas encore sur mon écran. Alors attendez 2 secondes. Hop. Là, je suis tellement heureux. Vraiment, je pense que c'est top. Top 5 des trucs qui me rendent le plus heureux, vraiment, genre.
TOTK, vous savez pas à quel point j'attendais ce jeu. Hein. On lance. À quoi va ressembler l'écran titre? OMG, Nintendo présente. OMG, OMG, je lance le timer ou... Vas-y, je lance le timer. J'enlève... Je sais pas si je laisse ma cam. En vrai, je pense que je laisse ma cam au cas où pour que vous voyez mes réactions. Putain. Oh, la dinguerie, putain, la dinguerie. Ok. Commence dans la grotte, donc ça j'imagine que c'était le premier trailer qu'on avait vu, c'était ça ce trailer du coup que j'avais vu. La concentration de miasme s'intensifie. J'essaie de mettre ma cam en plus petit. Hein. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. On peut jouer ? Attendez, 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 je vais bouger ma cam parce que là je bloque les cœurs. Mais genre là, on commence. On a déjà la Master Sword, on a 30 cœurs. C'est incroyable, ok. Ok, je bouge. Sous-sol du château d'Hyrule. Ok. Par la Zelda. Mec, je suis comme un fou, hein. Désolé, mais... D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Non, ça commence direct dans l'action. C'est incroyable. Hein. Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Et c'est là, où ils vont tomber sur quelque chose comme dans le trailer, sur quelque chose d'un peu bizarre, ok. Je vais rien dire pour ceux qui savent pas, mais là je suis super fasciné. On voit des grottes comme on avait vu dans le trailer. Je sais pas si ça va se passer tant que ça dans les grottes, mais j'aime beaucoup ce début. Ça commence directement dans l'action, c'est pas du tout comme Breath of the Wild où c'est en mode bon bah tu te réveilles et voilà t'es dans la nature. Là c'est... Link est déjà établi et il fait une quête, une exploration avec Zelda, quoi. J'aime vraiment ce début, quoi. Zelda toujours aussi bien développé comme perso, c'est incroyable. On lui parle. Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol ? OMG ? OMG ? Link ? Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. Alors, dans Breath of the Wild, elle réagit quand il y a des gardiens pas loin. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. J'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Coup d'épée. D'accord. Vraiment, voilà. Sachez que moi, quand je découvre un jeu, je prends le temps, ok? Donc, genre, vraiment... Mince, attendez, je voulais lancer le menu pause. Oh ! OMG, ok. Pas mal. Bon, après, je m'extasie peut-être pour rien, mais... Ok, cibler, se déplacer, action, ranger, sauter. Ok, pour l'instant, c'est comme Breath of the Wild. Sauvegarder, bon, j'ai pas envie spécialement. Action spéciale, j'ai pas envie de me spoil. Paramètres. Gyroscope, oui. Déplacement de la caméra, généralement, je préfère très rapide. Je préfère m'en habituer.
Changer la commande de saut, non, ça me va. Mini-carte pointée vers le nord, réel. Affichage, normal. Boîte de dialogue sombre. Langue de doublage en français. Le doublage était très bien en français sur Breath of the Wild. Donc on va garder ça, mais je me demande ce qu'on peut avoir. Ouais, j'imagine qu'on a que... Ah si, on a japonais. Alors, je sais pas si on a japonais sous-titré japonais, mais ouais. J'aime vraiment cette ambiance où on commence directement dans les tréfonds du château. C'est insane, hein. C'est super immersif, quoi. Mec, ça fait tellement longtemps qu'on attend ce jeu, mais je vous jure, je suis comme un dingue, là. J'essaie de garder mon calme, hein, mais... Link, ce bloc de pierre. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sono? Hein, la civilisation Zonai et tout, ouais. C'est vrai qu'il y avait pas mal de... Enfin, vous avez certainement dû voir des vidéos théories là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal d'évocations sur Breath of the Wild d'une civilisation qu'on ne voit pourtant pas, en fait, dans Breath of the Wild. On voit juste des vestiges de cette civilisation. Peut-être qu'on va plus en apprendre sur ce Zelda, hein. Ok. Examiner. Et cette sculpture? Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Soneus. Sonos? Je sais pas comment les prononcer. Désolé par avance si je les prononce mal. Je vais dire les Sono. Les Sono? Je sais pas si on prononce le S. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. En vrai, là, je peux pas m'empêcher de penser au speedrun, mais... Est-ce qu'on va être obligé de faire cette introduction, tu vois, un peu longue, en vrai? Après, j'aime bien, parce que là, tu vois, on avance lentement, on prend le temps de s'arrêter sur les détails, elle prend en photo. Ces statues représentent-elles des Sono? Regarde la taille de leurs oreilles. C'est vrai. Ils ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Je le sens mal. Je le sens mal. La dernière fois que j'ai vu une route qui descendait aussi bas, c'était dans un film qui s'appelle Babylone, et après c'est un peu Bresson. Mais en tout cas, ouais, super... Je me suis vraiment rien spoilé en termes de théorie. J'ai regardé zéro théorie. J'ai pas regardé les derniers trailers. Je sais pas ce qu'il y a dans le jeu. Je sais pas s'il va être long. Je sais pas... Bah après, j'ai vu évidemment quelques éléments de gameplay, quelques nouveautés, mais... Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Ok, j'entends des chauves-souris. Les ruines que nous avons vues à l'instant, je suis pratiquement certaine que ce sont des vestiges de la civilisation Sono. Ah putain, il y a toujours le... Ok, on peut toujours faire ça. Il y a des monstres jusqu'ici. Ah va, c'est des chauves-souris. Elles font de mal à personne. Tout va bien, Link. Ok, j'enlève ma cam. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Sonao, ok. Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques,
ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Je reconnais cet homme. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, j'aime trop la musique d'ambiance. Et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. What? Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir. Je suis vraiment dedans là, je... C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. La cinématique m'a vraiment immergé dedans là. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Je suis archi intrigué. Bon, on a vu plein de choses sur ces fresques. Bon, ça, mec, ça m'a tout l'air d'être Ganon... Ganondorf, ça m'a tout l'air d'être lui. C'est incroyable. Je suis super curieux de voir ce que le jeu réserve. Là, cette cinématique m'a tellement mis dedans. Je suis... En fait, en plus, les Sonao, genre, avant ce Zelda-là, on n'en a jamais parlé, hein. Enfin, je veux dire, évidemment, si on creusait un peu, on pouvait voir, mais... C'est la première fois que les Sonao sont évoqués de vive voix dans un Zelda, même s'il y avait des indices, etc. Mais... Je suis super curieux de voir ce que le jeu me réserve. Là, cette cinématique-là, on voit Zelda faire les découvertes et tout. Mec, ça m'a tellement mis dedans, c'est incroyable. Oula. Attends, il y a des trucs qui sortent du sol. Non mais mec, par contre, l'ambiance, elle est tellement bien bossée. L'ambiance est tellement immersive. Genre là, vraiment, je suis dans le jeu, quoi. Mais vraiment, hein. Là, on rentre lentement dans les ténèbres. Avec une torche. Non, je sais pas mettre des mots là-dessus. Écoutez, enfin, je... Là, ça fait 6 ans que j'attends ça, putain. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mec, on descend de plus en plus dans les tréfonds. Et une aura qui me rappelle un peu Twilight Princess, en fait. On entend le piano qui s'intensifie. Putain, mec, l'ambiance, elle est taffée de malade. C'est incroyable. Mon cœur bat encore la chamade. Je n'aurais jamais imaginé trouver ici une fresque corroborant les écrits anciens. C'est incroyable. Putain. Je suis tellement ému. J'ai l'impression, limite, on rentre dans un trou, dans un terrier de... d'asticots, là, genre de vers de terre. Oh non, je sais ce que c'est. Moi, je vais pas dire ce que c'est, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu les trailers, mais... OMG, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est cette lumière verte? Je sens une présence inquiétante. Oh, putain. Je pense que je vais laisser ma caméra. Allons-y, Link, la plus grande prudence est de mise. Est-ce que j'enlève ma caméra? Non, je la laisse. Qu'est-ce que c'est?
Je la mets en plus petit. Ouais, c'est bien lui. Ce bon vieux Ganon. Ah, ça ressemble au genre de petites pierres qu'il y avait sur les murs. OMG. Ah, c'est une larme! Les larmes du Kingdom! C'est obligé, c'est une larme. C'est une larme et genre ça va être quelque chose qu'on va collecter. Excusez-moi. Hein. OMG. Oh putain! Pardon, pardon, pardon. Faut faire quelque chose? Oh putain, c'est pour ça! C'est pour ça que Link il a le bras tout. Ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. What? Oh putain, c'est pour ça l'image où on voit tous les châteaux qui montent. Attendez, je remets ma cam. Je suis choqué, ce Zelda a l'air tellement plus lourd en lore que Breath of the Wild. Mais moi j'adore ça hein. C'était sûr en fait. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Non. Putain. What? Elle s'est téléportée? What? Mais mec, mais le jeu est tellement mystique. OMG, mec. Je viens de prendre une claque de malade, là. C'était incroyable. Enfin, je... Alors, je sais qu'on est qu'au début du jeu, mais enfin, je veux dire... La cinématique, elle introduit Zelda, Link, quelques petits déplacements, ça met tout de suite une ambiance super brosson, ça pose l'ambiance du jeu. On vient de perdre Zelda, on vient de faire la rencontre avec Ganondorf. Ou Ganon. On vient de voir les larmes. On vient d'avoir notre bras un peu atrophié. Il y a genre ce bras vert qui nous a retenu. Peut-être qu'on va en prendre plus sur cette cinématique. Je ferme ma gueule. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais.
qui nous parle. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Wow, le mouvement de caméra, mec, avec le... Putain, avec la Master Sword. Non, ils sont trop forts. Oh là là, ils sont trop forts, mec. Regardez-moi cette ambiance, genre avec les racines. Avec notre bras. Bon, là, du coup, on commence... J'imagine que c'est bel et bien le début du jeu, pour de vrai. Avec trois cœurs, là, avant, c'était que le... L'introduction, le... La préface, quoi. Mec. Donc là, on retrouve le Link qu'on voyait dans les trailers. Et genre, tout de suite, là, on est dans une ambiance... Très calme, et on entend quand même un bruit blanc et tout en fond, comme dans le sanctuaire de la Renaissance. Je sais pas qui c'est qui nous parle. Ça m'a pas l'air d'être la voix du roi d'Hyrule. Oh putain, mec, la petite musique. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château d'Hyrule. Putain, OMG, mec. L'aventure va être incroyable. Voilà, je vous le dis tout de suite, en fait. Je vais avoir 2000 heures de jeu. Déjà que j'ai 2000 heures de jeu sur Breath of the Wild. Mais là, il y a moyen que j'ai encore plus, quoi. Attaque rapprochée, donner un coup avec l'arme équipée. Écoutez ce sound design de l'épée. Il est incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi dire. T'es allons-y, hein. Allons-y. Je sais pas où est-ce qu'on est, j'imagine... Je sais même pas où est-ce qu'on est. Enfin, on doit être en dessous du château, du coup, j'imagine encore. Mais voilà, sachez que je vais prendre mon temps pour découvrir, mais bon, ça veut pas dire que je vais pas faire des sessions de 8 heures par jour. Hein. Ok. Sachez que je vais vraiment prendre mon temps à inspecter les moindres détails. Ces motifs-là me font penser aux motifs qu'on retrouve sur la Switch. Sur la Switch édition. Bon, je l'ai pas encore avec moi, mais je pourrais vous la montrer bientôt. Si ça vous intéresse, évidemment. Pour l'instant, j'ai l'impression du coup c'est vraiment les mêmes animations, les mêmes contrôles que Breath of the Wild. Alors, c'est pas du tout pour me déplaire, bien au contraire. Parce que je suis très habitué des contrôles de Breath of the Wild. Mais je suis choqué. Donc là, il y a l'air d'avoir un passage par là, mais est-ce qu'on peut pas, par exemple, grimper juste ici? Ça m'étonnerait. Non, je pense que ça m'étonnerait. Ah, on a la route stamina. Ouais, c'est bel et bien les mêmes animations. Hein. J'ai l'impression que c'est bel et bien les mêmes animations, même s'il doit y avoir quelques trucs qui changent au niveau de la... De certains sound effects. J'imagine qu'on peut grimper aussi, non? Ah, peut-être pas ces parois-là. Ok, on peut pas grimper. Ok, on peut pas grimper ces parois-là. Ok. Y'a rien de caché par ici? Mec, ça va tellement être incroyable. Je suis désolé, là, je suis très sérieux. Je fais même pas de vanne et tout, mais parce que frère, genre... Putain, mais je suis juste heureux, quoi. Genre, je sais pas comment... J'adore Zelda, mec, c'est tellement toute ma vie, frère. C'est tellement toute ma vie. Sauter. D'accord, donc là, il a plongé tout seul. Ok.
C'est incroyable. Mec, je sens que l'attente a valu le coup, tu vois. Ok, donc on peut grimper sur ces parois-là. D'accord. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance qui... dans ces genres de ruines souterraines et tout. Y'a rien derrière, là. En vrai, c'est limite très Dark Souls, quoi. Limite From Software, hein, l'ambiance là qu'il y a, là. OMG, le jump. OMG, le saut de fou. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Oui, mais je crois que je l'avais compris. Oh! Vous avez vu le petit détail de l'eau qui retombe? OMG, les éclaboussures. Mec, y avait pas ça dans Breath of the Wild. Oui, parce que, bon, du coup, vous aurez mon œil d'expert. Mon œil de speedrunner de Zelda. Mon œil de mec qui a passé 2000 heures sur Breath of the Wild. Il y a l'air d'avoir un coffre ici. Très stylé, la texture du coffre. J'aime beaucoup. Putain, je sais... Oh là là, l'animation! Oh, l'animation de fou, mec! Non, mais mec... Non, mais je... Vieille spartiate. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais ont encore de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. OMG, ok. Le menu des vêtements, on a les armes, on a les options. J'aime beaucoup le menu, très stylé, qui ressemble un peu à Breath of the Wild, tout en étant un petit peu différent. Accès à la sacoche. Et si Breath of the Wild n'était qu'un laissé pour Tears of the Kingdom? Non, vraiment. Ok, donc il y a ce coffre-là, est-ce que... Bon, là j'ai un short, mais est-ce que j'ai pas un... Est-ce que j'ai pas un t-shirt, tu vois? Ça serait cool. Attendez, question que je me pose, est-ce qu'on peut... Oui, est-ce qu'on peut siffler déjà? On peut toujours siffler. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on peut whistle sprint? Je sprint, je sprint, je sprint, je sprint. Whistle sprint. Non, on veut plus, putain. Oh non, on veut plus whistle sprint. Merde. Merde, on peut plus whistle sprint. Ils l'ont patché. Ils l'ont patché. Ah, oh, c'est dommage. Pour ceux qui savent pas, dans Breath of the Wild, si on sifflait et qu'en même temps on spammait le bouton B, on pouvait courir tout en ne consommant pas de stamina. Même en fait, ça restaurait de la stamina quand on faisait ça. Enfin, de l'endurance. Et là, du coup, ils l'ont patché. Ok. Alors attendez, laissez-moi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on peut grimper. J'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un truc au-dessus, quoi. Parce que, surtout dans Breath of the Wild, on a et le haut et le bas, là j'ai qu'un bas, donc j'ai tendance à penser que j'ai raté un coffre. Je me trompe peut-être, hein, mais... Ah, je peux pas grimper là-dessus. Peut-être que j'abuse, hein, mais bon, moi je vous ai dit, je prends mon temps, écoutez. On est là pour prendre notre temps. J'ai pas envie de rater quoi que ce soit, surtout pas au début du jeu. Ok. Attends, si, il y a clairement l'air d'avoir un passage par là, non? Attends. Je vois pas de coffre après. Après, il est assez sombre en fait, donc enfin... L'ambiance est assez sombre, donc du coup, je sais pas si on va voir. J'aime beaucoup l'ambiance, on entend vraiment le petit ruissellement et tout. Je sais que je parle pas tant que ça et tout, parce que j'essaie aussi de profiter de l'ambiance sonore qui est super bien taffée et qui est l'un des gros... pour moi, l'ambiance sonore de Breath of the Wild, c'est genre l'une des meilleures ambiances sonores, tout jeu vidéo confondu, tu sais, mais... Après, j'ai pas forcément la meilleure culture jeu vidéo ludique, je sais bien, mais... Putain... Ok, je suis choqué. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans l'eau? De toute façon, je pense pas qu'on puisse dive. Enfin non, ça m'étonnerait qu'on puisse aller sous l'eau. Du moins pas pour l'instant. Peut-être qu'on aura des compétences par la suite. Bon bah écoutez, j'imagine qu'on a que notre slibar. On a que la slibar. OMG. OMG. Ça va être la même scène que dans Breath of the Wild. Putain. Plot twist, on était en réalité dans les airs. OMG, mec, toutes les îles flottantes. Oh, l'océan à perte de vue.
C'est beau, mais mec, je suis ému. Je suis ému, non, je suis ému, mec. On saute ou... What? Là, je peux pas bouger. Oh, la même musique impressionnante, putain. Oh là 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 là. C'est remaster en fait, c'est la musique de Breath of the Wild en remastered. Mec, la musique est incroyable. Je vous jure, ça me fait penser à du Ghibli, genre à du Nausicaa et tout. Oh là là. Ok. Ok. I am ready. Non, c'est bon. J'ai compris. Non, mais j'ai compris, Nintendo. Accélérer. Chut. On tombe sur les nénuphars. Putain, ils sont trop forts, frère. Écoutez-moi ces douces mélodies. Non, mais mec. Oh là là. Mec. Je sens... Quelle belle journée. Zéro souci, hein. Je sens qu'on va passer tellement un bon moment. Bon alors là tout de suite qu'est-ce qu'on peut dire bah en vrai genre bon les nénuphars bon je peut-être je suis un maxeur en disant ça mais genre ambiance un peu nippone tu vois avec les lotus bon les arbres en automne bon ça c'est partout hein c'est pas qu'au Japon mais je sais pas mec ambiance un peu genre les ruines et tout île céleste du prélude. Non, c'est genre le plateau du prélude qui a grimpé. Dans les airs? C'est plus les ruines avec ça qui me font dire un petit peu jardin japonais. Mais bon, je suis un maxeur du Japon, donc c'est sûr que je suis pas objectif. Je sais pas quoi faire. Là, le jeu nous lâche déjà. Il nous dit pas spécialement où aller. Genre là, tu vois, il nous lâche dans les airs et... La chute, tu vois, comme ça, où on descend. Genre vraiment, c'est en mode frérot, regarde, tu es dans les airs. Fais ce que tu veux. Tu vois, maintenant c'est à toi de découvrir le monde, quoi. Putain, je suis sur le cul, frère. Je suis tellement heureux, mais mec, le jeu est tellement beau. Mais mec, mais putain, mais... Mais OMG, mais OMG, mais... Écoutez-moi cette petite musique. L'ambiance sonore est incroyable, hein. J'aime trop le bruit métallique de l'épée. Mec, j'aime tout dans ce jeu. Voilà, je l'ai dit. Oh, premier item. Champignon, champi céleste. Le champignon typique des îles célestes pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommée. Très sympa. Beau skin. Alors, je me demande vraiment s'il va y avoir des Korogu. Mec, je me pose tellement de questions sur ce jeu. Je me pose tellement de questions et je me suis tellement rien spoil. J'ai réussi à échapper à la grande majorité des spoils. Regardez-moi ça, genre, enfin... Frère, c'est un jeu Switch, quoi, genre... Mec, le dragon, là-bas... Ah, mais merde, je voulais sortir ma tablette Sheikah, mais j'ai pas le tablette Sheikah. J'avais oublié. Je me demande s'il va y avoir des sanctuaires, je me demande comment vont se présenter, je pense, les quêtes annexes vont se présenter comme d'hab. C'est un mob? Ok, c'est un mob? J'ai cru que c'était un PNJ au début. Mec, il prend zéro dégâts, par contre. J'ai plus d'épée, là? Oh, attends, si, j'ai une épée. Bâton. Cette branche d'arbre a été taillée pour améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Ok. What? Les dégâts que ça met? OMG. Ok, bon, lui, il a une branche d'arbre. Corne de golem sola. Tranchante comme une lame, cette corne de golem sola doit être manipulée avec précaution. Je vais tellement profiter, frère. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Mec, j'aime trop ces boîtes de dialogue un peu blanches et tout. C'est magnifique, hein. Équiper ou sortez une arme sans ouvrir la sacoche. Maintenir, sélectionner. Ouais, bon, ça, j'imagine que c'est comme dans Breath of the Wild. Orme d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Écoutez, pour l'instant, on va prendre des branches d'arbres. Hein. On n'a pas vraiment mieux que ça comme arme. De toute façon, on n'a plus la Master Sword.
Elle n'a pas duré très longtemps, hein, ma Master Sword. Elle n'a pas fait très très long feu, hein, en vrai de vrai. Je me demande si je peux grimper là-dessus, là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Je suis choqué du... Genre, le jeu est tellement paisible, là. Le jeu me rend tellement heureux. Ce fruit commun apprécié depuis la nuit des temps peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets. Là, j'ai juste envie d'explorer la zone, quoi. Là, j'ai envie d'aller ici, au niveau de l'arbre. Un petit peu au-dessus, là. Je sais pas si on peut grimper avec notre stamina, je pense que oui. Du coup, j'ose plus sprinter maintenant qu'on veut plus whistle sprint. C'est triste. OMG. Mais en fait, ça m'a tout l'air d'être le plateau du prélude, hein. Oui, je pense que c'est ça. Il céleste du prélude, en fait, c'est le plateau du prélude qui est monté dans les ciels. Et là, c'est la partie enneigée du prélude où on avait bah, le Cryonis et le Cinétis, quoi. Tellement heureux, mec. OMG, il y a des minecarts. C'est quoi la boule là-bas? Mais mec, je suis tellement intrigué de tout. Je suis intrigué de tout, mec. Désolé, je vais vraiment prendre mon temps. Hein. Là, je vais explorer tout ce qu'il y a autour, voir si je rate pas des trucs. Il y a pas l'air d'avoir de Korogu. Ou alors du moins pas de la même forme, ou alors pas sur cette île, mais... Champi céleste. Je suis désolé, je me laisse tellement prendre par le jeu, frère. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut de cet arbre? Oh! Attends, quoi? Ah putain, on a accès même... Alors ça, par contre, on n'avait pas accès aux items comme ça. Hein. Parce qu'on avait accès aux items... On n'avait pas accès aux items en termes de... Enfin, on n'avait pas accès aux items comme ça en quick equip, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Clairement, c'était pas le cas dans Breath of the Wild, on pouvait faire ça avec les armes, avec l'arc, le bouclier, les armes, mais pas avec ça, quoi. Hein. Branche d'arbre. Combien on a de slots? On en a 9, sans compter, enfin on en a 8 sans la Master Sword. Je vous jure, je suis tellement heureux, mec. Je suis tellement heureux, mais vraiment. Hein. Je vais le dire beaucoup, hein, mais... Il y a une île encore au-dessus. Ok. Champi céleste. Bon, pour l'instant, notre exploration, elle est pas très récompensée. Elle n'est pas très récompensée là où elle l'était pas mal dans Breath of the Wild. Je vais quand même essayer de sauter dans l'eau pour pas crever. J'ai des petites vibrations sur la manette. Non mais regardez-moi ça, ces petites éclaboussures, c'est tellement stylé. Ok, écoutez, on va essayer d'avancer un peu plus alors vers le chemin qui a l'air de m'être tracé. C'est quand même fort ça, genre c'est un open world mais ils font quand même un chemin sur le sol pour t'indiquer où aller. Genre là vous voyez, il y a ce chemin là qui nous dit d'aller chercher l'arme, le bâton qu'on a pris. Là ensuite le chemin nous dit de continuer par là. Donc évidemment inconsciemment ça nous guide, tu vois. Même si c'est un open world, sommes-nous vraiment libres de nos mouvements? Le mec il part trop loin, tu sais. Je suis désolé, je vais escalader partout, hein. Je m'excuse d'avance, hein, mais... je vais prendre mon temps de zinzin. Enfin en fait c'est... On a un jeu comme ça tous les 6 ans, genre évidemment que je vais prendre mon temps. Oh! Vous avez vu comme moi? Attendez. C'est un Korogu ou... Là-bas? Je sais pas. J'ai envie de sauter dans le vide, j'ai envie de voir ce que ça fait. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça me fasse perdre de la vie ou des items. Je saute dans le vide ou pas? Vas-y, je saute dans le vide. One life. OMG. Ok. Bon, c'est comme dans Skyward Sword. C'est comme dans Skyward Sword. Ok, on perd un cœur. Non, fair game. Moi, ça me va. Moi, ça me va, le perd un cœur. Je peux manger, la vie est belle. Ok, je récup. J'ai hâte de pouvoir cook.
Ça, c'est clair. C'est un mob, lui? Ça m'a l'air d'être un mob, hein. Encore que... What? C'est un module? C'est un boss? Golem assistant, je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. La tablette Chica? OMG! Il s'agit de la tablette Prua, un objet de la grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Prua, c'est la petite... comment elle s'appelle? La meuf dans le sanctuaire à Elimite. Enfin, dans le laboratoire à Elimite. Elle est petite de taille, mais elle a plus de 100 ans. Et après, j'ai pas joué à l'entièreté de Age of Calamity, mais enfin voilà, c'est une scientifique des énergies archéoniques, etc. Des gardiens, etc. Donc j'imagine que c'est elle qui a dû développer cette tablette. Magnifique. Ça a l'air d'être une tablette, mais genre version Sonao, tu vois, du coup. Genre pas tablette Sonao, du coup, genre. Tablette Prua, ah, cet accessoire apprécié de la princesse Zelda. Oui, parce que la princesse Zelda, en intro, elle l'utilisait pour prendre des photos. Comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. C'est les fonctions de la tablette Prua. Mec, ça veut dire qu'on va pouvoir voir la map? Non. Je suis pas prêt pour voir la map. Non, je suis pas prêt. Voilà, Link, je te l'ai remise, ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Nous sommes au Jardin du Temps. Très beau nom. L'édifice que l'on peut voir au loin est le Temple du Temps. What? Il a bien changé depuis Ocarina of Time. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. La recherche de... Mec! Bon, vous êtes prêts? Attendez. À 3, j'appuie sur moi pour voir la map. 1, 2, 3. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Ok. On a déjà la map, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas les tours Sheikah. Là, j'imagine que c'est à la recherche de Zelda, donc le PNJ m'a dit que c'était là. Et si on dézoome? On peut redézoomer? C'est encore plus grand! Non mais mec! C'est encore plus grand! C'est encore plus grand que Breath of the Wild! En fait, la map de Breath of the Wild, elle était... Elle était très... comment dire? Il y a encore plus de régions! Regardez-moi ça, ces régions, frère! Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, 13, 14, 15. Waouh. Alors que dans Breath of the Wild, je sais plus exactement combien il y a de tours, mais il y en a une dizaine à tout péter, quoi. En fait, là, la map m'a l'air très verticale, en fait. Et en fait, je me demande... Parce que là, on est dans les cieux. Et au début, on était en dessous. On était en dessous de la map. Et j'ai vu dans les trailers qu'on peut aussi être sur la terre ferme. Donc du coup, je me dis que la map, elle est... incroyablement grande, d'autant plus que imaginez que sur toutes ces régions, genre s'il y a trois niveaux, s'il y a genre souterrain, terre ferme, cieux, mec, il y a tellement à explorer, genre. OMG, mais mec, elle est tellement grande la map, mais what the fuck. Oh putain. OMG. Ok. Album. Ah. Donc ça, c'est les photos qui ont été prises par Zelda. D'accord. Sous-sol du château d'Hyrule. Ok, ouais. Donc c'est les photos qu'on l'a vu prendre pendant la... Donc ça, c'était les statues Sonao. Ça, c'est Zelda avec, j'imagine, la larme. Vous avez vu les larmes, là, en fait, qu'on a sur les fresques?
c'est une genre de larme qu'on a eue dans notre main là quand on a croisé Ganondorf. Et vu que ça s'appelle Tears of the Kingdom et que je suis bilingue, les larmes du royaume, je pense que les deux trucs au-dessus, c'est des larmes. Et alors, c'est des trucs qu'on va devoir collecter, peut-être pour renforcer l'épée, ou peut-être pour soigner le bras de Link, ou j'en sais rien, peut-être pour calmer le mal. Je sais pas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Plein écran ? D'accord, effacé, non. Ça, je me demande si cette guerre-là, c'est pas la guerre de Skyward Sword. Mais non, en vrai, je pense pas que ça soit la guerre de Skyward Sword, parce qu'il y avait pas les Sonao. Je sais pas quand est-ce qu'elle se passe, cette guerre. Mais bref, moi, de toute façon, je suis pas un bandeur de la timeline des Zelda, parce que... je suis pas un bandeur de la timeline des Zelda, parce que... Parce que voilà, quoi, je... Je trouve que c'est... Bon, après, c'est bien, tu vois, ça rajoute du lore, mais ça rajoute plus de contraintes aux développeurs plus qu'autre chose, et c'est plus là pour faire plaisir aux fans plus qu'autre chose. Mais après, c'est sûr quand même qu'il faut qu'il y ait un peu de cohérence, ça, c'est sûr et certain, mais mec... Regardez-moi la map, quoi. Regardez-moi la map, frère. Genre... OMG, je suis tellement heureux. Quête principale. Donc, attends, il y a 5 types de quêtes ? 5 types de quêtes, j'ai l'impression. Donc ça, j'imagine qu'il y a les quêtes principales, les quêtes annexes, les quêtes de sanctuaires peut-être, ou autres équivalents des sanctuaires. Vous êtes réveillé sur une île étrange flottant dans le ciel. Un golem assistant vous a ensuite confié la tablette Prua à la demande, selon ses dires, de la princesse Zelda. Lorsque vous avez consulté la carte de la tablette, un point jaune lumineux y est apparu. Le golem vous a dit que la princesse se trouvait là-bas. Unité ça pour le moment... D'accord, et ça aussi inutile pour le moment. Ça peut être des fonctions, comme par exemple les souvenirs dans Breath of the Wild, peut-être, réservés à l'avenir pour d'autres quêtes. Et là, j'imagine qu'il y a 5 types de quêtes, du coup. Mec, je suis... Est-ce qu'on peut faire comme ça ? D'accord, on a 6 balises. J'imagine qu'on peut faire comme dans Breath of the Wild et faire ça. C'est super stylé. Ils ont refait les sound effects et tout. On a tous les types de balises. On en a 300 ici. Désolé, hein, je découvre un peu les menus. Mec, je suis... Non mais regardez-moi ça. Non mais merde. En fait, Breath of the Wild, quand tu dézoomes à fond, tu vois toute la map. Là, quand tu dézoomes à fond, t'es obligé de scroller vers le haut pour tout voir, genre. C'est quelque chose, quand même. Hein. C'est quelque chose, hein. Ok. Alors là, est-ce que ça va créer le pont si j'actionne, ou est-ce que ça va nous faire téléporter plus ou moins ? Non, je pense que ça va créer un pont, je pense. J'aime trop les animations comme ça, frère. J'ai tellement hâte de recevoir ma Switch, mec. OMG. Putain. Pas quoi dire, mec. Pas quoi dire, hein. Mais vraiment, hein. C'est quoi, ça? Ah, c'est les ruines des gardiens, un peu comme dans Breath of the Wild. Orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie, les lumières qui en émanent permet d'en ressentir la puissance. Mais alors, du coup, Tears of the Kingdom, ça se passe après Breath of the Wild, c'est ça, hein. Du coup, en bas à droite, on retrouve... Sinon, l'interface de base, c'est la même que Breath of the Wild. Bon, il y a quelques modifications, genre, par exemple, je vois que le truc du thermomètre a un peu été refait. Mais c'est très sobre, très épuré. C'est... Ouais, belle... très très belle... interface. C'est un pot, là. C'est un pot, ça. Jure. Encore un PNJ. Oh, c'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas? Tu vas par là-bas, méfie-toi, les golems militaires ne te regardons pas passer sans rien faire. Les golems militaires... Les golems militaires ont pour seule raison d'être de... leur seule raison d'être est de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux t'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas s'il te plaît. What? En mode, c'est comme dans Dark Souls, on peut même attaquer les PNJ, genre.
J'ai envie de le faire. Non, je suis désolé, mais je suis malveillant. Non, mais je suis malveillant, j'ai envie de le faire. Attendez, je sauvegarde, je le fais, et ensuite je recharge comme si rien ne s'était passé. Juste un petit coup. Juste un petit coup, en vrai. Ah, ça va. Ok, bon, il prend pas de dégâts, c'est juste une animation. Ok. Mec, la map, je vous jure, je m'en remets tellement pas, frère. Imaginez l'infinité de zones de référence aux précédents Zelda qu'on peut trouver là, enfin. Et attendez, c'est mes coordonnées en bas à droite, là? Genre, ils me doxent IRL. Genre, ils ont mes coordonnées, genre. Ah, oh, je suis mort. Oh, putain. Ils ont mes coordonnées, genre. Ah, ouais. Ils me doxent dans TOTK, genre. Putain. Je suis choqué, hein. Le dragon là-bas, ça m'a l'air d'être un dragon différent. Attendez. Ça m'a l'air d'être un dragon différent. Vous pensez, elle bouge la balise si le dragon il bouge? Ah, elle a pas l'air de bouger la balise. Ça m'a pas l'air d'être l'un des trois dragons qu'on voit dans Breath of the Wild. Ça m'a l'air d'être un dragon totalement différent. Il me fait vachement penser au dragon dans... Comment il s'appelle? Dans le film... Dans le film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. Très stylé, hein. Mec, je sais pas quoi dire, hein. Vraiment, là, je pleure sur ce poulet, hein. Que voulez-vous, en fait? Enfin, je... Grenouille Tempo, la chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Ok. Mec, mais vraiment, moi, il m'en faut pas plus pour être heureux, genre, qu'un nouveau Zelda, en fait, enfin... Korogu, post-champ? Dommage. Mec, la carte! Mec, je sais que c'est la troisième fois que je le dis, mais... Putain de merde, cette carte! Je vais pas m'en remettre du tout, hein. Putain. OMG, attends, je peux peut-être les prendre en photo? Comment je fais pour les prendre en photo? Comment je fais pour sortir mon... Ok, elles sont pas spoilées, les actions spéciales. Comment je fais pour sortir mon appareil photo, là? Je sais pas comment prendre des photos. On verra ça plus tard, je pense. J'aurais bien voulu prendre en photo les oiseaux. Il y a l'air d'avoir des petites ruines par là-bas, on peut y aller. Il y a même des genres de petites torches. Non mais moi, s'il est possible de faire autre chose... Que la quête principale, je le fais, hein. Faut le savoir, hein. Korogu? Non! Non! OMG! 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 In before les 2000 Korogu! OMG! Ah, tu m'as trouvé! Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya! Mais attends, tu peux me voir, je suis un Korogu, une fée des bois! Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Non! OMG! Le speedrun 100% de TOTK! Avec les 2000 Korogu! Oh putain! Au fait, mes amis adorent se cacher et vraiment n'importe où en plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Mec, je suis tellement heureux! Je suis tellement heureux. Moi, je fais partie des gens qui ont adoré les Korogu dans Breath of the Wild. Voilà, je le dis. Bon, parfois, c'était un peu long, mais... Je veux dire, mec, le speedrun 100%, c'est ma vidéo la plus vue. Le speedrun 100% de Breath of the Wild, c'est ma vidéo la plus vue, et même, genre... Je sais pas, les Korogu, les 900 Korogu, j'ai dû les faire au moins 3 ou 4 fois. À chaque fois, quand je les refais avec des windbombs, avec des potions de vitesse, c'est tellement un bon moment. Mec, c'est officiel, il y a les Korogu dans Tears of the Kingdom.
Oh putain, putain, OMG! Oh non, je suis choqué, frère. Y a pas le... Oh, bah j'ai bien fait d'explorer, tu vois. Enfin, l'exploration est récompensée. Putain, mais il va falloir que je passe... Il va falloir que je passe des nuits entières à mémoriser par cœur les emplacements des Korogu. Ah, je le sens déjà arriver, hein. Putain, flèche en bois, ok. OMG, les Korogu sont officiels. Je sais pas combien il y en a. En vrai, moi, mon pari, c'est qu'il y en a 900 comme dans Breath of the Wild. Ou alors il y en a 1000, tu vois, mais 2000... Je pense pas, parce qu'en vrai, on en a toujours pas vu depuis le début, là. Enfin, genre là, il a fallu quand même qu'on se balade au moins bien, quoi, 30 minutes dans la nature pour qu'on tombe sur au moins ne serait-ce qu'un Korogu. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas si fréquents, quoi. Enfin, peut-être qu'ils sont juste bien cachés, hein. On peut cook, OMG. Let me cook. Donne-moi ton bâton, chef. C'est quoi ce truc au sol, hein? Ok. Mec, je sais pas quoi dire, mais j'adore ce jeu, quoi, enfin... Korogu, ici, peut-être? Non. Mec, je vais passer ma vie sur ce jeu! On va faire des défis! On va faire les speedruns 100%, les speedruns à 1000%, les speedruns... Mec, je sais pas quoi dire. Let me cook, OMG. Nouveau? What? Attendez, j'ai skip l'animation, mais ça fait quoi si je laisse l'animation? C'est la même animation? Ça m'a l'air d'être la même animation. Mais après, je leur en veux pas d'avoir gardé des animations de Breath of the Wild. Hein. Je veux dire, elles fonctionnent très très bien. Hein. Y a pas de raison de se faire chier, quoi. On peut cook de l'antifroid. Ok, encore un peu d'antifroid si on veut aller dans les zones. Pas mal. Il y en a encore un petit peu ici. Vas-y, on va en coup qu'on sait jamais, hein, en prévision. Ok, I am cooking. J'essaye de me faire des petites provisions de début de jeu, hein, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Parce que je sais que Breath of the Wild, le début du jeu est très difficile, mais après, plus on avance, plus c'est tranquille, quoi. OMG. Je vais peut-être garder au moins une pomme ou des champignons, si jamais, genre, parce que, par exemple, je sais qu'il y a des Korogu qui se trouvent en donnant des pommes dans Breath of the Wild. Mec, je suis tellement heureux de revoir plein de trucs qu'il y avait dans Breath of the Wild, mais aussi tellement de nouveautés, tu vois, genre... je suis ému, voilà, voilà, enfin, c'est le terme, en fait. Je suis ému, je suis heureux, mais mec, genre, la carte, quoi, frère, la carte, la taille de la carte, mec. Putain. Ok, là, on est atterri dans l'eau... Où est-ce qu'on peut aller? On peut aller... là-bas... Ah, c'est des... Oh... Attends, c'est des animaux, ça? What the fuck, frère? Bizarre, les animaux. Ok, il y a l'air d'avoir une genre de ruine ici. On va y aller, après. Il m'attaque? Non, ça m'étonnerait qu'il m'attaque. OMG, c'est comme dans le plateau du prélude. On peut faire tomber les rochers sur les... OMG, mec, c'est trop bien. Mec, je retrouve tellement des vibes de Breath of the Wild. Long bâton. Oh, vous avez vu, ça change l'icône. La longueur de ce bâton bien droit. La longueur de cette belle bite permet de frapper un ennemi tout en gardant ses distances. D'accord. Pourquoi pas. Non mais pourquoi pas après tout. Attends, ici il y a un coffre.
J'ai pas de bouclier pour l'instant, j'aurais bien fait un shield jump, mais... Oh putain, attends, lui, il a l'air d'avoir une bonne arme, hein. Est-ce que je peux avoir les esquives, vous pensez? Lancez l'arme que vous avez en main. Oui, je sais, je connais. Non, mais j'ai joué à Breath of the Wild, quand même, monsieur. Non, j'ai envie d'avoir ce coffre. Est-ce que je peux l'avoir, là? Je pense pas, en vrai. On va essayer, hein, mais je pense pas. Ouais, ça a l'air d'être bloqué. Ça a pas l'air d'être faisable pour le moment. Ça a pas l'air d'être faisable pour le moment. Je me demande s'ils ont fixé le fall damage cancel. C'est genre un glitch qui permettait de... Genre en gros, on faisait comme ça et ensuite on changeait d'arme et ça annulait les dégâts si on tombe de haut. Je sais pas s'ils l'ont patché. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas de module sur notre tablette shaker. Bon, après, je sais que c'est que le début, mais... Mec, j'ai trop envie d'aller chercher ce coffre, mais j'ai pas l'impression que je puisse. Non, on peut pas, hein. On peut pas, hein. Je suis tellement heureux de juste, genre, explorer, me perdre dans la nature, frère. Vraiment, hein. Je suis tellement heureux que Breath of the Wild ait remis Zelda à la mode, quoi. Parce que pour ceux qui savent pas, Breath of the Wild, c'est de loin le Zelda qui s'est le mieux vendu. Et là, mec, TOTK, bon, je pense qu'il va quand même moins se vendre que Breath of the Wild, parce que bon, c'est... Tu vois, c'est le même jeu, il a la même identité, etc. À part si vraiment le jeu est exceptionnel, mais... Mais enfin, je veux dire, tu vois, genre Majora's Mask a eu moins de ventes que Ocarina of Time, à titre de comparaison. Mais... Waouh, quoi. Quand même, là, pour l'instant, je me prends... Ça fait à peine une heure qu'on joue et je prends déjà une claque de malade, quoi. Mais vraiment... Ok, peut-être un Korogu juste ici. Non. Peut-être là, c'est un Korogu à côté, là. Ah non, il y a l'air d'avoir plein de rochers. Sauterelle enduro. Cette sauterelle commune sautille toute la journée à la recherche de nourriture. Faites-la cuire pour que votre remède régénère votre endurance. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils se demandent pourquoi je l'ai fait... pourquoi je fais là comme ça en sans le live, etc. C'est parce que bah, j'ai peur d'être spoilé. Enfin, pourquoi est-ce que je stream sans le live? C'est que j'ai peur d'être spoilé et je me dis en vrai seul de mon côté, bon... Évidemment, faut que je me filme, etc. Faut que j'anime, etc. Mais je m'étais dit que ça serait vachement plus immersif et j'avoue que j'avais peur aussi que genre des gens arrivent et qu'ils spoilent et qu'on soit obligé de les banner et que ça spoil les modos et que ça me spoil moi et tout. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur des choix de le faire comme ça, seul de mon côté. C'est quoi cet œil là, bizarre? Ça me rappelle avec le vieil homme là. Champi céleste grillé. Simplement grillé à la flamme, ce champi céleste est devenu bien plus savoureux et à la cuisson. Et la cuisson a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. Ah, c'est moi qui ai fait griller ceci. Ça me rappelle la scène avec le vieux dans Breath of the Wild quand on lui prend sa pomme grillée. Serre-toi, je t'en prie. Grillé? Tiens, allez, regardez de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles à nous autres golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pardon. Ah, j'ai pas d'eau, faudrait que j'aille me chercher de l'eau. Pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de le rendre plus nourrissant. Tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer, tu peux utiliser le feu de camp qui est là. Non, je préfère les cooks. Cook des ingrédients, c'est plus rentable que les faire griller. Dans Breath of the Wild. Du moins. Je vous jure, je suis tellement heureux, mais... On dirait... C'est tellement réussi. Et là, je trouve aussi que...
là, enfin, là où on est, la zone dans laquelle on est, contraste énormément avec l'introduction du jeu, où genre là, c'est super lumineux, on est proche du soleil, il y a des nuages, il y a des beaux reflets sur l'eau, tu vois. Alors qu'au début, c'était vraiment, on était dans les méandres, c'était sombre, il y a des musiques super, super sombres, tu vois. Et en vrai, ça contraste tellement de l'introduction. Ça contraste tellement de l'introduction. Alors désolé, je vais faire le tour ici, juste pour voir s'il n'y a pas un Korogu ou un coffre. Hein. Non mais désolé. Non mais moi, je suis ce genre de mec. Je suis ce genre de mec, quand je découvre des jeux, je prends mon temps. Je suis ce genre de mec. Faut que vous vous y fassiez. Hein. Il y a certainement rien, mais... En vrai, juste se balader dans le jeu, mec... Comment être malheureux, hein. Après, j'avoue, le whistle sprint me manque. Le whistle sprint me manque tellement. Mais on trouvera peut-être d'autres techniques, j'imagine. J'ai tellement hâte aussi de faire la vidéo, genre parce que vous avez énormément aimé la vidéo sur le documentaire de Breath of the Wild. Et en vrai, je me dis que vous allez kiffer, que j'aimerais faire une même vidéo comme ça sur Tears of the Kingdom, mais attendre quand même quelques années avant de faire une vidéo comme ça, quoi, parce que bon, faut quand même qu'il y ait un petit peu de choses qui se déroulent. C'est un Korogu, ça. C'est 100% un Korogu, là. Alors, c'est 100% un Korogu, mais je pense qu'on n'a pas encore les compétences pour pouvoir l'atteindre. Donc, je vais mettre un truc ici. Je vais mettre une feuille. Voilà. Ça m'a l'air d'être un Korogu, ça. Hein. En fait, là, ce motif-là, c'est comme les courses Korogu dans Breath of the Wild. Mais alors, normalement, il n'y a qu'une grosse feuille au milieu. Là, ça a l'air d'être un petit peu modifié. Et si Breath of the Wild n'était qu'un essai? Non, vraiment. Non, mais... Je me pose la question, sincèrement. Enfin, je... OMG, OMG, quoi. Tu vois. Korogu? Toujours pas. Temple du temps. What? Ok. Est-ce que j'ai été là-bas? Je sais pas, hein. Je sais pas si j'étais là-bas. Ah, attends. Attends, mais j'ai failli rater le gros truc au milieu, là. J'ai failli aller au temple. Non, mais attendez, attendez. On a encore plein de choses. Wow! Il a un arc. Je veux ton arc. J'ai encore plein de choses à faire avant d'aller au point jaune, là. Vieil arc en bois. Cet arc en bois des jours anciens était conçu pour la chasse et n'est pas très puissant. Tir à l'arc. Ok. 5 flèches en bois. Oh, il y a des champi-tempos, jure. Des petits champi-tempos. D'une vitalité hors du commun, ils poussent n'importe où. Sur les plafonds comme sur les falaises, les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Nice, on va pouvoir cook du... On va pouvoir cook du... Des potions de vitesse, hein. Regardez-moi tout ce qu'il y a à explorer, quand même, genre, avant d'aller au point jaune. J'ai tellement hâte de recevoir ma Switch, quand même, genre, ma Switch édition TOTK, ça va être tellement beau. Faut que je casse mes branches en priorité, en vrai. Ok. Bâton, vas-y, bâton, c'est les meilleures armes qu'on peut avoir, hein, pour l'instant, de toute façon, j'ai l'impression. Sympa, c'est un genre de mini barrage, ça. J'aime bien le look. Ah oui, non, c'est pour nous éviter de tomber dans le vide depuis l'eau. Putain, mais regardez-moi ça, les reflets de l'eau. Et dire que Game Freak aurait pu accepter, parce que Nintendo leur avait proposé le moteur graphique de Breath of the Wild, ils ont préféré refuser et faire Pokémon Écarlate, genre, frère. Ça m'empêche de trouver le sommeil. Hein. Je n'arrive pas à dormir la nuit à cause de ça. Hein. Mec, je retrouve tellement des vibes de Breath of the Wild, je suis juste heureux, quoi, enfin... Ok...
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, d'avoir des genres de têtes de dragon. Je pense qu'on est... Je pense que... Il faudra une compétence et revenir ici, évidemment. Enfin, je sais pas, ça m'a l'air... Ou alors, c'est juste une ruine comme ça pour faire beau, mais... Ça m'étonnerait quand même. Alors là, il y a une genre de rail. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mec, il y a tellement de choses à explorer, c'est... C'est quelque chose, hein. Est-ce que je peux me rendre là-bas? Genre en face? J'ai pas l'impression que je puisse. Est-ce que je peux sauter sur le truc en bas là, vous pensez? Vas-y, j'essaye de faire le grand saut. Ah ouais, mais merde, il saute verticalement. Merde. Ok. Faut que je mange l'un de mes plats, voilà. Et si on essayait de prendre le genre de... Le genre de rail, là. Enfin, le truc qui connecte les îles, là. Mec, je kiffe... En fait, déjà, moi, je kiffais énormément l'idée, vous savez, dans... Par exemple, dans Twilight Princess, genre le donjon dans les cieux. Je sais pas pourquoi, mec, dans les Zelda, quand on est dans les cieux et tout, je trouve ça tellement beau, genre... Mec, ça me rappelle Château dans le ciel et tout, certaines choses, le film de le Ghibli. C'est incroyable. Hein. Ce serait pas un Korogu là-bas? Non, je pense que c'est juste un rocher dans le sol. Ok. Alors là, est-ce que on peut... Genre, est-ce qu'il faut être précis et ne pas tomber ou... Oh putain, ouais. OMG. Non, faut être précis dans les mouvements. Alors là... Oh putain! Alors là, faut pas avoir un Joy-Con Drift, hein. Oh putain! Ah ouais! Ah non, là, faut pas avoir un Joy-Con Drift. Ok. Il a intérêt à ne pas y avoir de Joy-Con Drift sur les Joy-Con de la Switch, hein. Que j'ai commandé. Je sais pas si on est censé faire ça ou s'il faut attendre une compétence, mais... Attendez, je préfère la jouer safe sur la fin quand même pour pas tomber. Ok. Ok. Sympa en vrai le petit truc qui connecte les îles comme ça là. Hache caillouteuse. What? Ça nous a pas mis de... Ça nous a pas mis de... Comment on appelle ça? Fagot de bois facile à transporter. Ça nous a pas mis comme quoi l'arme était nouvelle quand on l'a prise. Ok. Where is this? PNJ, regardez droit devant soi, me tenir en face. Oh, pardonne-moi, je dois couper du bois et j'étais tellement concentré sur ma tâche que je t'ai pas remarqué. Tu es venu couper du bois? Couper du bois? Eh bien oui, couper du bois, c'est couper des arbres pour obtenir des rondins. Les rondins peuvent être combinés en tant que matériaux de construction ou débités en fagots de bois. Le bois est très utile, c'est pour cela que j'en coupe tous les jours. Et ce n'est pas évident de couper un arbre pour le faire tomber dans la direction désirée. C'est pour cela que tu m'as surpris en train de me dire que je devais regarder droit devant et me tenir bien en face. Ah mais je ne te laisse pas en placer une, je suis désolé. Ah là là, il en avait des choses à dire ce golem. Oh lolo, il débite. Il doit y avoir une hache qui traîne par ici, je n'en ai plus besoin, tu peux t'en servir pour couper du bois si tu veux. Tac. Ok, il y a pas mal de bois, je prends, écoutez, non mais je... Hey, take this, bro. Ça peut être utile, les fagots de bois, clairement, dans Breath of the Wild, c'est très utile pour pouvoir passer du temps un peu là où on veut. Attends, c'est un radeau, ça? Merde, c'était un radeau aérien? Merde, s'il faut, c'était un radeau aérien, je viens de tout casser, frère. Non mais moi je continue à explorer, hein. Non mais désolé, je... Quand c'est possible de ne pas avancer l'histoire principale, moi je fais autre chose. Hein. C'est mon moto. Hein. Et pas ma moto. En référence à celle dans Breath of the Wild. Allez. Allez, on arrête les flops. Hein.
quelque chose au-dessus. Mec, il y a tellement de choses à voir. Ok, ça c'était là où on était. Orogu, post-champ. Attends, mais j'avais pas vu, ça descend archi bas cette île-là. Il y a peut-être quelque chose ici. Vous avez vu quand même, en vrai, on a énormément exploré et pour l'instant, on a trouvé qu'un seul Korogu, hein. Pour l'instant, qu'un seul Korogu, hein. Ouais, ok, j'ai pris un petit dégât. Et alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire un fall damage cancel? On va tester. On est là aussi pour tester les techniques de speedrun. Évidemment. Ok. Donc comme ça. Ça m'a l'air d'être patché aussi, hein. Putain, ils ont tout patché quasiment, hein. Putain. Bien joué à eux, hein, après ceci dit. Ok. Non mais après, tant mieux, hein. Moi, je suis très content. En fait, plus Tears of the Kingdom et Breath of the Wild ont des glitches différents et sont différents en termes de speedrun, plus ça va être intéressant et plus leurs speedruns vont être singuliers, c'est-à-dire que bah on va regarder du Breath of the Wild pour voir des windbombs, pour voir des fall damage cancel, pour voir tout ça, et plus on regardera du TOTK pour voir d'autres types de glitch, d'autres strats, etc. Tu vois. Donc moi je suis très content, c'est pour ça que par exemple Wind Waker HD, Wind Waker SD, les deux speedruns sont très différents et je trouve ça cool parce que du coup c'est intéressant de regarder les deux speedruns. Il n'y en a pas un qui est genre beaucoup mieux que l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mec, je suis pas du tout sur l'objectif, ça me termine. Je suis pas du tout sur l'objectif. Ok, champi céleste. C'est un Korogu, ça? Ou... On y va, Korogu, peut-être? Oh! OMG, deuxième Korogu! J'ai hâte de savoir combien il y en a. Hein. Voilà, on perd pas les bonnes habitudes de fracasser le crâne des Korogu en lâchant le rocher sur leur tête. Hein. On perd pas les bonnes habitudes. Oh putain, mais mec, je suis tellement heureux, frère. Breath of the Wild, c'est tellement genre l'un de mes jeux, genre... Il représente tellement de choses pour moi, Breath of the Wild, tu vois, c'est... En tant que jeu, et en tant que... Enfin, je veux dire, Breath of the Wild, c'est aussi... Ma première vidéo YouTube, c'est genre aussi ce qui a lancé ma carrière, quoi. Ma première vidéo YouTube qui a commencé à bien fonctionner sur YouTube, c'était le bingo Breath of the Wild avec F, tu vois, et... Alors, je sais pas, tu vois, Breath of the Wild, j'ai tellement d'affect à ce jeu, et le fait de me dire qu'il y a une suite avec le même moteur graphique et tout, genre, mec... Je me régale tellement, et là, je me dis que... Tout est à découvrir à nouveau, tu vois. Genre, je donnerais tellement tout pour pouvoir refaire Breath of the Wild de zéro, tout redécouvrir comme si je découvrais et que c'était le premier jour, tu vois. Et là, c'est un peu le cas, quoi, tu vois, avec cette suite. Peut-être même que cette suite va être encore mieux. Après, pour moi, c'est très difficile de faire mieux que Breath of the Wild, mais... On va voir ce que ça donne, hein. Pour l'instant, 1h20 et... C'est incroyable, quoi. Encore un Korogu! Wouhou! Déjà 3 Korogu! Ah non, merde, c'est pas un Korogu, c'est une gousse enduro. Je pensais que c'était une fleur Korogu. Cette plante sauvage apprécie les climats froids. Avec sa racine renflée, elle est riche en nutriments, cuisinez-la pour que la préparation restaure votre endurance. Ok. Nouvel item. Ça, on l'avait pas du tout dans Breath of the Wild. Alors, bon, faut que je le dise, il y a quand même quelques endroits où ça lag pas mal. Un petit peu, genre là, ça rame un petit peu. En vrai, ça descend un peu en dessous de 30 FPS. Mais en vrai, globalement, ça tourne assez bien. Je sais que Breath of the Wild, au début, c'était aussi le cas. Et qu'après, ils avaient fait des mises à jour et que ça allait beaucoup mieux. C'était vachement plus un 30 FPS constant. Et genre là, actuellement, Breath of the Wild, il y a juste quelques endroits où bah, ça change, tu vois. Où c'est pas... Où bah, ça lag un peu moins, tu vois. Où ça lag, enfin, un peu plus, du coup. Mais grosso modo, Breath of the Wild, ouais, avec les mises à jour, ça s'est vachement amélioré. Et je pense que Tears of the Kingdom sera aussi le cas. Je veux rejoindre mon ami. OMG, première quête secondaire.
J'ai perdu mon ami, c'est vraiment trop la poisse. Oh, mais tu peux me voir, dis. Je suis un Korogu, une fée des bois. Mon ami et moi, on parcourt le monde. Quand on le parcourait, je l'ai perdu. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je veux plus bouger. Tu veux que je te porte, frérot? Ah, je suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami? Ils sont trop mignons, les petits Korogu, frère. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Ok, écoutez, on va aller le voir, hein. On va aller voir son pote. Sans tomber, ça serait bien. Je sprint, je suis un fou. Je suis un malade dans ma tête! Eh ouais! Moi, je suis un malade dans ma tête. Ok. Je pense qu'on va cut le premier épisode. En vrai, pour le premier épisode, j'ai quand même envie de pas... Enfin, je vais juste cut et ensuite, je vais relancer un deuxième épisode. Mais pour le premier épisode, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que je pense que ça va être la vidéo qui va intéresser le plus de monde sur toute la découverte. Donc, le premier épisode, on va le faire assez court. Quand je dis assez court, c'est genre 1h30. Je pense qu'on va cut une fois que j'arriverai à l'objectif principal. Et ensuite, on fera des grosses sessions de 5 heures et ça sera des VOD de 5 heures, je pense. J'attends mon ami. Ah, les deux attendent leur ami. Mon ami est par là, mais il est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ah ben là, les gars, je peux pas... Enfin, je veux bien vous aider, hein, mais... À un moment, faut prendre les choses en main aussi, quoi. Je sais pas, attends. Vous pensez il se passe quelque chose si je vais revoir son pote et que je lui dis que je lui ai parlé? On va bien voir, hein. Tombe pas. Le pauvre mec. Et vous savez que lui, il s'appelle Juglan en plus. Il s'appelle Juglan, ce Korogu. Mec, il arrive même pas à être sur pied, genre. Ah, je suis bien embêté. Non mais mec, c'est même pas une quête. C'est juste, ils sont cons, frère. Ça me fume de rire, genre. C'est juste, ils sont débiles. Après, c'est peut-être une quête, mais peut-être qu'on peut... Peut-être que j'ai pas compris comment faire cette quête, mais... Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Ah, peut-être avec le radeau, là. Si on craft un radeau, là, comme ça. Vu que c'est juste à côté du Korogu, je me dis que c'est peut-être ça, en vrai. Un genre de radeau aérien. Bon, je sais pas. En tout cas, je vais continuer par là. Bon, est-ce que j'ai bien exploré derrière, là, avec l'arbre et tout? Ok, on va continuer d'explorer un petit peu. Et ouais, en tout cas, je rappelle, il y aura une vidéo résumée, une ou deux vidéos résumées de toute l'aventure Tears of the Kingdom sur la chaîne principale. Mais, grosso modo, si vous voulez avoir toute l'expérience sans cut, ça sera sur la chaîne Replay, Jugan Replay. Mec, y a tellement à explorer, genre là ça fait une heure, j'explore juste mec, alors que c'est seulement la première zone, genre regardez-moi ça, j'ai pris une heure à visiter tout ça, et encore, je pense que j'ai même manqué des trucs hein, dans toute mon exploration, c'est même certain. Hein. C'est même certain que j'ai manqué des trucs. Hein. Ouah, il m'a bien fumé. Hein. J'ai trop hâte de découvrir les... Bourdin, taille d'une grosse branche d'arbre, cette arme n'est pas très solide, mais son poids conséquent permet d'infliger des coups avec une certaine puissance. Ok. J'ai très hâte de voir... Je sais pas, de tout découvrir, quoi. Vraiment, hein, ça peut paraître bête, hein, mais... Genre là, mec, je prends tellement mon pied à juste explorer. Vraiment, hein. Hop. Fagot de bois. Oh, grande hache caillouteuse. Vas-y, donne-moi ça. Vous avez vu les haches caillouteuses? Je sais pas pourquoi. C'est pas considéré comme un nouvel item.
On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Mais en vrai, moi j'ai énormément d'attentes. Là, franchement, là je joue une heure et demie. Bon, pour l'instant, je peux pas en dire grand chose, j'ai juste vu l'intro, etc. Mais j'ai énormément d'attentes pour TOTK et. Et je pense que avec Breath of the Wild, ils ont une très bonne base d'open world, de mécanique, etc. Et si ils développent une belle histoire avec des temples qui ont une vraie identité, tu vois. Avec des temples qui ont une vraie identité, parce que pour moi, c'est ça, en fait, le seul point noir de Breath of the Wild. C'est mon jeu, j'adore ce jeu, mais le seul point noir de Breath of the Wild, c'est que j'ai pas autant aimé faire les créatures divines que j'ai aimé faire les temples, tu vois, dans Wind Waker ou dans Twilight Princess. Et genre, s'il y a des vrais temples, s'il y a des vrais. Mec, le passage sous la cascade, OMG, pardon, excusez-moi. S'il y a des vrais temples, s'il y a des vrais items, s'il y a des. S'il y a des. Si genre. Chaque boss a sa vraie identité, tu vois. Et que en plus, on a l'open world de. De Breath of the Wild. Pour moi, c'est juste le jeu de l'année, quoi. Hein. Moi, c'est juste le jeu de l'année, hein. Ambre brute. Oh! Alors, cet item, il était dans Breath of the Wild, mais il ressemble pas du tout à ça. Cette résine végétale fossile qu'on peut extraire des veines minérales brille d'un éclat caramélisé. Elle se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Désolé, hein, mais mec, j'aime trop explorer, frère, quand je suis dans Breath of the Wild ou TOTK, mais... Là, c'est ce que je fais, mais tu vois, mais je sais qu'il y en a qui sont peut-être en train de s'arracher les cheveux en mode « Tu le gardes, continue l'histoire principale !» Mais mec... Je sais pas, genre juste se balader, découvrir le jeu, découvrir les vibes du jeu et tout. Tellement incroyable. Par contre, j'aimerais bien pouvoir prendre des photos, c'est dommage que je puisse pas en prendre. Ou que je connaisse... Peut-être que je connais juste pas le bouton, pourtant je pense avoir quasiment tout essayé, mais... 1-2, champi céleste... 2 œufs de volatile... Bon, je vais aller fumer lui, là. Oh, merde. Attendez, faut que je mange, quand même. Vas-y, je mange ça aussi. Viens là, à nous deux. À nous deux, garçon. Ok, bâton, pas mal. Donne-moi tes items. Partiment des âmes est plein. Bourdin, qu'est-ce que je peux tège? Ça, en vrai, je peux tège, ça met pas beaucoup de dégâts. En vrai, c'est une lance, donc on a une meilleure cadence, mais bon. Pfff. Mec, je me régale tellement. Vraiment. Ils sont en train de fumer des chuchus. Écoutez, on va les laisser. On va les laisser, évidemment. Oh, un petit coffre là-bas. Vas-y, moi ça me va, je vais chercher le petit coffre. Regardez-moi l'animation, frère. Ah non, là c'est une animation normale. Lame de soldat. Cette branche d'arbre a été taillée pour améliorer la prise de main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Oh, mec, le fait que le menu pop comme ça, c'est très stylé, j'aime beaucoup. Échanger. Oh, c'est grave sympa. C'est de la petite ergonomie en plus qui fait plaisir. On n'avait pas dans Breath of the Wild. Ça fait grave plaisir qu'ils aient pensé à des petits détails comme ça. Ok. Oh, il a un bouclier! Il me faut son bouclier. Vieux bouclier en bois. Ce bouclier en bois a connu des jours meilleurs, mais il peut encore protéger son porteur des attaques peu puissantes comme les tirs de flèches. Ok. Est-ce qu'on peut faire des sauts de bouclier, vous pensez? OMG! Il a une pancarte. Éventail. Éventail à latte. Cette branche d'arbre a été taillée pour améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Ok. Et alors du coup, est-ce qu'avec le coffre, on peut faire du... Mec. Enfin, avec le coffre, avec le bouclier. Est-ce qu'avec le bouclier, on peut faire du shield jump? OMG. On peut faire comme dans Breath of the Wild. Mais ça veut dire que peut-être on peut revenir, vous savez, à l'endroit où le coffre était hors de portée. Et peut-être qu'avec un shield jump, ça nous donne la hauteur nécessaire.
Je sais pas pourquoi j'ai grave du mal à unequip. Ah, attendez, je vais juste aller chercher les petits poissons qu'elle a. Arowana ancien. Ce poisson très vif n'a pas changé d'aspect depuis des temps très anciens. Sa chair est riche en nutriments et en manger restaure en partie votre énergie vitale. Il est parti l'autre ? Il est où, frère ? Il est là. Sympa. On peut aller dans cette caverne. Nouveau. Grotte du bord de l'étang. Graine Lumos. What? Harry Potter, OMG. Cette graine provient d'une plante qui pousse dans les grottes et les puits. Un choc suffit à la faire germer pour produire instantanément une fleur diffusant de la lumière aux alentours. Fais voir. C'est trop stylé! Mec, on dirait tellement un Ghibli. C'est incroyable. El Griffu, blablabla. Bon, ça c'était déjà dans le premier. OMG, il y a un minerai. Pour ma grande hache. Cristal de sel. Ce cristal de sel provenant d'une mer ancienne est un condiment indispensable en cuisine, mais ce ne se consomme pas en tant que tel. What? What the fuck? Ok, j'ai pas encore les bombes. Hein. Enfin, après, je sais pas s'il y a des bombes, hein, mais... Là, je pense qu'il faudra revenir quand on aura des bombes. Ambre brute. C'est un mob lui? J'ai pas envie de le fighter, je sais pas pourquoi, je sens qu'il est archi puissant genre. Je sens qu'il nous one shot avec sa bulle là. Silex. Bon, ça c'est la même description que dans Breath of the Wild. OMG, un coffre? Je sens que je vais passer un super moment sur ce jeu. Oh, vieille toge! Enfin, on a trouvé notre haut, putain! Cette toge passée de mode est peut-être effilochée par endroits, mais le tissu reste agréable au toucher, bien que difficile à défroisser. Mec, voilà, il me fallait ma toge qu'on voyait dans le trailer. Putain, enfin! Enfin, je suis drippé! J'attendais d'avoir du drip, moi. Ok. Soulever. What? Ah, nous pourrions bien avoir besoin de cela. Utilise plutôt le matériel qui se trouve sur la berge, si tu veux bien. Si je lui parle, il me dit quoi? Golem charpentier. Nous avons des artefacts Sonao, mais ils ne seront d'aucune utilité tant que les radeaux sont hors d'usage. OMG? Tu ignores donc l'existence des artefacts Sonao? Sonao? Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit, car ils sont d'une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact Sonao. Celui-ci, c'est une turbine. Il suffit de la frapper pour qu'elle s'active et produise du vent. Donc tu l'auras compris, des artefacts Sonao sont extrêmement utiles. Nous servons de toute une variété d'artefacts selon nos besoins. Toutefois, l'utilisation des artefacts Sonao requiert de l'énergie. En clair, il nous faut une batterie. Voilà l'explication, a pris du temps, mais ce qu'il nous faut à présent, c'est un radeau. Oh putain, mais mec, j'ai tellement pété le radeau, mec. En fait, il faut que j'utilise un radeau pour aider les Korogus, ça doit être ça, non? Les Korogus qui étaient en souci, là. Les artefacts Sonao peuvent être très utiles, tu verras, il suffit de faire preuve de créativité. Ok. Merde, non mais je voulais pas te frapper, je suis désolé. Ah, nous pourrions bien avoir besoin de cela. Utilise plutôt le matériel qui se trouve sur la berge, si tu veux bien. Non mais je voulais pas te frapper, je suis désolé, frère. Ah oui, non, ok, il veut pas que je frappe ça, pardon, my bad. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Les radeaux sont cassés, en l'état, nos artefacts Sonao ne servent à rien. Ouais, attends, je vais lire ce qu'il dit, parce qu'il dit autre chose. Oui, ce sont des outils que nous utilisons. Tu en savoir plus, adresse-toi au golem qui se trouve près de la turbine. Moi, j'en ai déjà assez à faire comme ça. Les radeaux de transport ont subi de sérieux dégâts. Je ne sais pas si nous allons réussir à les réparer, c'est embêtant. Ok. Ok, Fagot de bois.
Fagot de bois. Je sais pas comment je peux les aider, j'aimerais bien les aider. Là-bas, il y a l'air d'avoir des trucs de zinzin. Mais attends, il y a plein de turbines ici aussi, là. Ouais, il faut que je leur crafte un radeau, en fait, mais... Je sais pas si je peux faire ça, hein, pour l'instant. Il y a plein de turbines ici. Il y a un poisson. Il y a l'air d'avoir des ruines ici, un peu... Bizarre, je peux rééquiper mon bouclier aussi. Oh, il y a un coffre là-bas. Oh, what? Non, ça m'a l'air d'être un mec militaire là, non? Un gardien militaire là, comme ils l'ont dit là, non? Merde. Oh, je me fais exprès de tomber, putain, j'aurais dû faire un shield jump. Oh, putain, vous avez vu les grottes, elles se sont répertoriées sur ma map. Trop stylé. Stylé comme elle joue, j'aime bien. Attends, on peut faire ça, ça. Et putain, j'arrivais pas à un equip dans les airs. Je sais pas pourquoi j'ai plus de difficultés à un equip que dans... Enfin, à déséquiper dans les airs que dans Breath of the Wild. On va voir ce que ça donne. J'aimerais éviter de réitérer ça, s'il vous plaît. On peut manger ça, oui... Si je saute d'ici, je pense que c'est suffisant, le jump. Voilà. Tombe pas. Ok. J'ai envie de le fumer. Mais peut-être que je suis pas du tout du niveau, hein, mais... L'âme de soldat. OMG. Est-ce qu'on a les esquives, vous pensez? Je sais pas si on a les esquives encore, je pense que... Oh, il a l'air faisable quand même, ce mec. Oh, OMG. Ok. Arc de golem. Cet arc, utilisé par des golems supérieurs, est d'une conception simple, mais contrairement aux arcs en bois, il est fait dans un matériau inflammable. Oh non, ininflammable, pardon. D'accord, donc ZR pour bander. Ok, sélectionner. D'accord, ok. Épée étourdissante. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom. C'est quoi, bretteur? Bretteur def. Personne qui aime se battre à l'épée. Synonyme ferrailleur. Ok. Elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Je vais faire de la place quand même, 10 de dégâts. Protège quoi, le bâton? Voilà. Corne de golem lieutenant. La lame ondulante à double tranchant de cette corne peut couper presque n'importe quoi. Attachez-la à une arme pour augmenter l'attaque. Quoi? Comment ça, attachez-la à une arme? Je pense que ça doit être avec des outils pour crafter, mais... Ok, bon, écoutez, on va essayer de choper... Ah, je sais pas si on peut choper le coffre. En vrai, je pense qu'avec un shield jump, on peut, mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que le jeu a enlevé le fait qu'on puisse unequip le bouclier dans les airs. Ah, ouais, ça doit être ça. En fait, on peut pas déséquiper le bouclier pendant qu'on est dans les airs. Parce que sinon... Ah ouais, on peut le faire que quand on est juste avant sur le point de réatterrir. Parce que... Oh putain, ils ont même patché ça, OMG. Ils ont tout patché, frère. Ils ont tout patché. Oh non. Parce que en vrai, avec ça, en fait, c'était le fait de pouvoir déséquiper le bouclier dans les airs qu'on pouvait faire le skew clip. Donc ça veut dire qu'on pourra même pas faire le skew clip, en fait. Oh putain. Ah ouais, mais ils ont quasiment tout patché, en fait, jusque-là. J'attends de voir s'il y a les windbomb et tout, mais... Pour l'instant... Après, c'est intéressant. Ce qui est cool, c'est que ce sera très différent de Breath of the Wild, tu vois, mais... Ok. Bon, écoutez, on peut peut-être au moins se diriger vers... Vers, comment on appelle ça? Vers le...
vers le point jaune. Je pense que j'ai suffisamment exploré, j'ai des armes pas trop mal. Ok. J'aime trop ces racines comme ça, mec. Je vous jure, ça me fait penser à Château dans le ciel, le film Ghibli. Je me sens tellement libre, mec. C'est incroyable, genre... Dans les îles célestes et tout, je... Je pleure sur le poulet, hein. Que voulez-vous, quoi, hein. Il y a l'air d'avoir quelque chose ici, quand même. Mec, je me suis tellement éloigné du point, ça me termine. Je suis allé dans la direction opposée. Oh, un petit Korogu, juste ici. Un petit Korogu, on me la fait pas, nous. Ah, mais faut peut-être des flèches de feu. Ah, un petit Korok. Un troisième, ça fait plaisir. Ils sont rares, en vrai, hein. Ils sont assez rares, hein. Allez, on garde la tradition de lâcher sur leur gros crâne, là. J'ai hâte qu'on ait, qu'on ait une paravoile. Je pense qu'il y en a dans le jeu. Je pense qu'il y en a dans le jeu. Ok. J'ai très très hâte. Normalement, il y a Nintendo qui m'envoie un press kit et des goodies et tout bientôt. Je pourrais les ouvrir en live aussi, ça sera grave bien. Hein. Vraiment, j'ai trop hâte. Ok. C'est... Désolé, hein, je regardais juste justement le mail. Je viens de recevoir un mail qui concernait ça. Grotte du bord de l'étang. Ah oui, non, du coup, on a déjà été dans cette grotte. D'accord. Ok, bon, vous savez quoi? Écoutez, je vous propose qu'on aille au point jaune et qu'on s'arrête une fois qu'on a vu ce qui se tramait au point jaune. Enfin, qu'on s'arrête au moins l'épisode 1. Moi, je vais continuer à jouer, mais qu'on arrête au moins pour l'épisode 1, quoi. Parce que là, bon, ça va bientôt faire 2 heures. Il s'agirait de doser. En tout cas, j'ai tellement hâte, mec, de découvrir tout ce que le jeu a à proposer. Et en fait, je me pourlèche déjà les babines parce que Breath of the Wild, c'était quoi? C'était la première fois que j'ai fini le jeu à 100%. J'étais quasiment à 200 heures de jeu, je crois. Première fois que j'ai fini le jeu à 100%, 200 heures de jeu, hein, dans ces eaux-là. Hein. Assez aisément, hein. Assez aisément, 200 heures de jeu, hein. Comment on passe de l'autre côté? On veut passer par là. Ouais, je crois que j'étais passé par la droite, hein, il me semble. Enfin, derrière ces genres de barrières. Mais avec le whistle sprinting me manque quand même. Faut l'avouer. Non, il faut l'avouer. Je pense pas qu'à la nage on puisse y arriver là, de l'autre côté. Je sais plus par où je suis arrivé. Attendez, est-ce qu'on peut passer par-dessus les genres de trucs là? Les genres de barrières, on peut les grimper ou pas? J'ai pas l'impression qu'on puisse. Il y a même un courant en plus, c'est pas... ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de lutter. Oh, je vais me noyer, ça ira plus vite. Hein. Je pense pas que ce soit par là qu'on puisse passer, ouais. Je vais essayer de passer plus par l'est. Mais ouais, là le but c'est de revenir vers le temple du temps. Là, je suis satisfait de mon exploration. Là, on a bien exploré. On a trouvé des grottes, des petits coffres. On a trouvé une arme à 10 de dégâts. C'est pas mal. J'espère sincèrement qu'ils ont mieux géré le scaling dans Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild, au début, c'est très très dur. Et au bout d'un moment, en fait, le jeu devient presque facile. Plus on est stuffé. Donc j'espère sincèrement qu'ils ont bien géré le scaling. Je leur fais confiance en vrai, mais j'espère qu'ils l'ont bien géré, quoi. C'est tout ce que j'espère. Hop, vite. Parce
Parce que Breath of the Wild est un jeu incroyable, mais il a quand même des défauts, tu vois, on peut quand même en trouver. Et je trouve aussi que le système de combat de Breath of the Wild, au bout d'un moment, quand tu maîtrises, etc. Alors certes, tu peux faire des dingueries, mais je veux dire, tu sais, t'as juste à matraquer le bouton Y et à esquiver, et après, tu vois, c'est la fin. Mais là, de ce que j'ai cru voir dans le peu de trailer que j'ai vu, il y a quand même l'air d'avoir un système de combat vachement plus élaboré. Et vraiment, c'est tout ce que je demande, quoi. En fait, tout ce que je demande de plus, c'est genre... Tout ce que je demande de plus, c'est que ça soit un copier-coller de Breath of the Wild, mais... Qu'il y ait 2-3 trucs en plus, c'est-à-dire, bah, du coup, des temples avec une vraie identité, des boss avec une vraie identité, un vrai système de combat, un meilleur scaling. Et s'il y a tout ça, franchement, pour moi, c'est réussi, mais c'est tellement réussi, tu vois. Arowana ancien, ok. Ok, alors c'est plus par là... Attends, ça c'est là d'où je viens ou pas? Putain, mais ça c'est là d'où je viens, mais putain. Mec, je m'y perds. Oh merde, pourquoi j'ai sauté? J'aurais pas dû... En fait, faut que je retrouve la cave. Ouais, c'est ça. En fait, faut que je re-rentre dans la cave dans laquelle j'ai été, en fait, non? C'est ça, hein? Pour pouvoir rentrer... Ouais, on va aller dans cette cave, on va remonter. On va remonter, ça sera plus simple. Ah, attends, champi silencieux. Graine lumineuse géante. Cette graine vient d'une plante qui a poussé des années dans l'obscurité. Un choc suffit à la faire germer, produire plutôt une large fleur. J'aime beaucoup l'ambiance dans les grottes et tout. Genre là, Théma, frère, quand tu les frappes et tout, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Écoutez, ouais, on va rebrousser chemin tranquillement, on va revenir à la... Alors attendez, on va essayer de revenir, ouais. En fait, je sais plus où est-ce que j'ai emprunté précisément les genres de petits pontons, là. Ouais, je crois que c'est par là, je crois qu'on est sur la voie, en tout cas. Oui, de toute façon, c'est là d'où on venait, Pardon, désolé, non, excusez-moi, je vais encore un petit peu chercher. Ok. Ok. Ouais, c'est là d'où on venait, là. Ah, mais je suis con, là. J'ai déjà été là aussi, non? Attends, je me perds, mec. Je me perds de zinzin. En fait, faut juste que je trouve l'endroit que j'avais emprunté pour pouvoir partir sur une autre île. Faut juste que je trouve ça et après, c'est win. Je crois que c'était par là, non? Ah oui, c'était par là. C'était par là, je crois. On avait vu ce genre de cube. Attends, est-ce que c'était le premier cube qu'on avait vu, ça? Enfin, c'est pas un cube, mais vous m'avez compris, quoi. Hein? Peut-être que de là, on peut passer derrière. Comment j'avais fait pour traverser cette étendue d'eau? Je sais même plus, hein. D'où est-ce que je viens? Je ne sais pas. Qui suis-je? Je ne sais pas. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Ouais, non, faut juste que j'arrive à retrouver un truc qui fait le lien, mais je sais pas s'ils sont répertoriés sur la map. J'ai pas l'impression qu'ils sont indiqués. Là-bas, il y a l'air d'avoir le truc, mais encore faudrait-il réussir à se rendre de l'autre côté de la rive, quoi. Ouais, il me faudrait un radeau ou un truc, quoi, mais... Comment j'ai fait pour arriver là-bas? Comment j'ai fait, en fait, pour passer? Est-ce qu'on peut grimper déjà sur ce petit truc? J'ai pas l'impression qu'on puisse. Et je pense qu'on va se noyer, là, aussi, ouais. Si on va au bout... Je pense pas qu'on arrive au bout, là. Ouais, je suis pas à la moitié, et pourtant, je suis à la moitié de ma stamina. Ceci dit, je peux peut-être me cook des champions enduro. Si je me trouve un endroit pour cook, je pense qu'on peut passer cette étendue d'eau. Ouais, on peut très aisément la passer, l'étendue d'eau, je pense. Ouais, faut juste que je trouve un endroit pour cook. Putain, je sais pas...
plus du tout ce que je suis venu. Ok, c'est pas grave. Je me trouve un endroit pour Cook et, ça, et la vie sera belle. Mangeons des pommes en attendant. Soyons Isaac Newton. Après, ouais, je crois que je viens de là-bas aussi, non? Je sais plus, frère. Je sais plus exactement où est-ce que je suis passé. Je sais pas si on peut avoir le passing comme dans... Mais en fait, j'ai l'impression quand même que c'est vachement plus simple par ce côté-là, quoi, mais... Je sais pas si on peut avoir le passing comme dans Breath of the Wild, vous savez, dans le DLC. Ah, on peut cook là-bas, ok. Bon bah, on peut passer l'eau comme ça, alors. On cook, on revient et on passe l'eau. On a encore des champignons enduro ici, là. Nickel. Vas-y, on fait ça. 1, 2... Boum. Merde. 1, 2... Cuisiner. Oh ouais, mais alors là, ça va largement être suffisant pour passer l'eau, je pense. 1, 2... Voilà. 1, 2... Voilà. Et là, on peut retourner au niveau de l'étendue d'eau et normalement, on va pouvoir la passer. Après, je sais pas si c'est plus rapide de repasser par là. Ouais, si, il y avait quand même l'air d'avoir pas mal de connexions une fois qu'on repassait de l'autre côté de l'eau. Go, 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 go! Le jeu est magnifique, hein. Bon, après, bon, je veux dire, si tu regardes, si tu zoomes, etc., sur certaines... texture, évidemment, c'est un peu... C'est pas, tu vois, les graphismes les plus beaux, ça reste une Nintendo Switch. Genre, on parle d'une console qui a une puce graphique de la... d'un portable, hein, littéralement. Genre, des portables ont la même puce graphique, quoi. On va arriver là-bas sur le caillou, je pense que c'est le truc le plus proche. Je nage tranquillement. Et rien que nager dans Tears of the Kingdom est un pur plaisir. Enfin voilà quoi. Écoutez, que voulez-vous? On peut manger. Voilà. Peut-être qu'il faudra en manger une deuxième, peut-être, mais pas une troisième, je pense. Ouais, une deuxième pour être safe. Encore que, je pense que ça peut peut-être passer. Ouais, non, vas-y, une deuxième pour être safe. Vas-y. On nage tranquillou, écoutez, hein. Moi, j'apprécie le soleil, les nuages. Et voilà! On a traversé. Et alors, je sais pas si j'ai déjà été de ce côté-là, en fait. Je crois que c'est encore une nouvelle zone, mais bon, en vrai, j'ai pas trop envie de m'attarder parce que j'ai l'impression que je me prive de modules ou de possibilités en n'allant pas au point jaune. Qui rendrait le truc plus facile. Genre par exemple, s'ils nous donnent les bombes et qu'on veut faire un win bomb, frère. Bon après, je rêve peut-être un peu trop. Vu que là, pour l'instant, tout a été patché, je pense que le win bomb a aussi été patché, malheureusement. Hop. Attention à pas tomber. De mémoire, c'est là où il y a les Korogu, non? Il n'y a pas le Korogu ici? Oh, what? Mais si, il était à côté de ce radeau, il était à côté de ça, là. Ah si, je suis quasiment sûr que le Korogu était là, hein. Ils ont fini par se retrouver? What? Attends, il est plus là, frère. Bizarre. Le Korogu là-bas a l'air d'être toujours présent, mais alors, le Korogu qui faisait de la fumée, il n'a plus l'air d'être là, en fait. Ouais, même la fumée n'est plus là, genre, trop bizarre. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Attends, quoi? Je suis passé à côté, je l'ai pas vu? De toute façon, on a vu que ça servait à rien. Allons au point jaune. Allons, point jaune. Il y a un coffre là-bas, laissez juste moi prendre le coffre. Des armes ici? Quoi les trucs à prendre? Ah, oh, il y a des petites armes. Bouclier rouillé, ok. Épée rouillée, bon ça je m'en branle je pense, ça je le prends pas.
juste aller prendre le coffre et peut-être casser les genres de caisses derrière. Ah, c'est un camp où il faut les tuer, du coup, j'imagine. Intéressant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, j'imagine qu'on a accès au coffre. Ah, sympa. Non, toujours pas. Toujours pas accès au coffre. Il en manque certainement un que j'ai pas vu. Ah, il est en haut. Ok, j'avais pas vu. Tiens, prends-toi cette flèche. Voilà. Oh, je l'ai headshot. OMG, la musique. Oh là 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 là, la petite cinématique. Ok, sympa. Non, je... Moi, je suis content. Vas-y, fais voir ce qu'il y a... fais voir ce qu'il y a dans ce coffre. Opale. Ok. Allons au point jaune. Allons au point jaune. J'ai trop exploré là. Mais je veux dire, après, tu vois, c'est nécessaire, tu vois. Genre, je découvre le jeu, je dois me perdre, me coincer, ne plus savoir comment revenir, tu vois. Ça fait partie du de l'exploration, de l'aventure et tout. C'est ça qui rend ces jeux incroyables, quoi. Je crois qu'on a déjà parlé à SPNJ, c'est celui qui nous dit de Cook, de mémoire. Pas mal de flèches, ça fait plaisir. Et qu'on a déjà une cinquantaine de flèches. On est très très bien. On est vraiment très good. Ok, il y a pas mal de poinçons ici, on va les laisser tranquilles en vrai. Non, en vrai là, je suis juste curieux de voir ce qui se trame au Temple du Temps, j'avoue là. J'ai fait suffisamment d'exploration, ça me va. Et dire que j'ai fumé le radeau là. Attends mais... Ah putain, mais oui, je me disais, il était en train de léviter aussi. Ok, continuons. Hop. Ça va, eh. Je deviens le pro de passer sur ces trucs comme ça, hein, en sprintant carrément. Ok, allons-y Alonso, allons-y. Fais voir ce que ça donne. C'est vrai que les cinématiques étaient quand même très très belles, hein. Franchement, celle du début du jeu, là, j'ai très très hâte de voir la suite, du coup. Hop. En plus, c'est le Temple du Temps, franchement, le Temple du Temps, il y a énormément de lore de Zelda dessus. Donc on va voir, hein. Écoutez, on va juste voir, hein. Temple du Temps. Ok, lui il a un coffre. Enfin, il a un coffre. Mais pourquoi je dis coffre à la place de bouclier, frère? Personne ne sait pourquoi je dis ça. Donc j'ai toujours noté le Korogu en dessous. Il y a ces genres de pierres un peu bizarres qu'il faudra qu'on élucide un jour ou l'autre. Mais on peut continuer. Oh là 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 là, oh putain. Vas-y, j'enlève ma cam. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Le bras bien apprécié était à moi autrefois. Je suis Raoru. Raoru, c'est le nom du sage de la lumière dans Ocarina of Time. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé.
C'est tellement beau, frère. Le chara-design. Revenons-en à ces et les symboles au mur. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Non! OMG! Mais mec, j'ai déjà tout exploré. J'ai déjà exploré toute l'île. Putain, c'était donc ça, les sanctuaires. OMG. OMG. Il y a des genres de sanctuaires. Ok. Bon. Écoutez, moi, ça me semble être le meilleur moment pour s'arrêter pour le premier épisode. Ouvrir le journal d'aventure. Toutes les quêtes sont consignées ici. Ok. Écoutez, moi, ça me semble être le moment parfait pour s'arrêter pour le premier épisode. Merci infiniment d'avoir regardé. Voilà, sur la chaîne VOD, Julian Replay, évidemment, la suite arrivera très très vite. Normalement, il y aura une ou deux vidéos par jour. Peut-être que là, le premier jour de la sortie, il y aura deux vidéos. Peut-être qu'il y aura l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc voilà, merci infiniment d'avoir regardé. J'espère que vous suivrez l'aventure avec moi. J'espère que voilà, vous avez hâte de découvrir tout, voilà, je sais pas, ou peut-être que vous avez déjà découvert le jeu de votre côté et que vous regardez juste pour voir ma réaction ou autre. Peut-être que, voilà, vous allez découvrir le jeu avec moi, si c'est le cas. Bah, voilà, sachez que là, je suis méga hypé, je vais essayer de vous faire vivre cette aventure le mieux possible. Et puis voilà, une fois qu'on aura terminé le jeu, on le fera à 100%, une fois qu'on l'aura terminé à 100%, on fera des speedruns, une fois qu'on aura fait des speedruns, on fera des défis, etc. Et voilà. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé. J'ai trop envie de continuer à jouer à ce jeu. Putain, en plus, là, c'est les sanctuaires. Et je les avais déjà vus. J'étais monté sur les sanctuaires. J'étais en mode... Ça doit être utile pour plus tard. Et ben, en effet, c'était utile pour plus tard. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé l'épisode 1. N'hésitez pas à aller voir la suite, évidemment, sur la chaîne Replay. Ou d'attendre la vidéo résumée sur la chaîne principale qui durera certainement une heure ou deux. On verra. Des gros bisous. Ciao, ciao! Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, Julgan Replay, et à Julgan, s'il vous plaît.